tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un tuto, que j'ai réalisé dans les tons gris et noir, donc plutôt un make-up pour des soirées. Donc je l'ai réalisé avec la palette Bar Mineral, donc qui est une petite palette de 4 couleurs. Elle s'appelle The After Party, donc voici. Donc il y a un noir, un gris, un blanc et un marron mat. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire et puis je vous laisse continuer avec les explications. J'ai appliqué ma base Urban Decay sur ma paupière mobile et immobile. Je vais commencer par appliquer un crayon noir. Donc celui-ci c'est le Perfect Black de chez Too Faced. Donc vous prenez n'importe quel crayon noir, même un jumbo, peu importe, quelque chose de suffisamment gras. Afin de mettre dans le coin externe. Et un petit peu dans le coin interne. Ça va permettre de donner donc une base pour le fard noir que l'on va mettre par-dessus. Ensuite, vous prenez un petit pinceau plat, ou enfin quelque chose qui va vous servir à estomper ce noir. Je vais utiliser donc ma palette Bar Minerals, The After Party, donc qui est un ensemble de 4 couleurs. Je vais commencer par utiliser ce noir avec un pinceau boule et je vais réappliquer ce noir au niveau du crayon noir pour réintensifier. Donc je n'hésite pas à monter un petit peu ma couleur noire au niveau du creux, tout en l'estompant, pour donner cet aspect un petit peu fumé. Et on commence à donner un petit peu la forme du coin externe, donc en V. Il sera retravaillé par la suite, mais déjà de se donner une base de forme du maquillage. Donc moi je commence d'abord par donner la forme et ensuite j'accentue petit à petit. Utiliser un pinceau fluffy comme celui-ci et je vais appliquer la couleur taupe, un marron taupe qui est mat, et je vais l'appliquer en cut crease afin de blender et de commencer à faire le dégradé. Donc je prends un petit peu déjà la couleur que j'ai estompée, le noir, et je le blende avec le marron que j'applique. Et donc je laisse bien la paupière mobile là, au niveau du milieu sans fard, hein. On en mettra par la suite.
mettre ma couleur au niveau de la paupière mobile. Mais avant, je vais mettre une couleur, une base, donc qui est une base blanche. Celle-ci, c'est l'Aqua Cream 04 de Makeup Forever. J'utilise un pinceau plat synthétique et je vais appliquer au creux de ma paupière mobile cette couleur blanche qui va me permettre après de... Ça va permettre d'intensifier le fard que je vais mettre par-dessus. Donc on l'applique au niveau où il n'y a pas de fard. Donc pour le moment, le travail, c'est vraiment d'appliquer les matières, les fards, et ensuite, ça va être de blender le tout. Et j'applique la couleur. Donc c'est un gris clair. Avec un pinceau plat et que je vais appliquer par-dessus la base blanche que je viens de mettre. Avec un pinceau estompeur, j'estompe les bords pour essayer donc de fondre toutes les couleurs. Je réutilise mon pinceau boule de la première fois pour réappliquer du noir et de réintensifier au niveau du coin externe. Je réintensifie le coin externe et je relie mon coin externe et mon coin interne par cette couleur noire donc qui va être fondue. Et je remets au niveau de mon code crease le marron utilisé précédemment. Au niveau de l'arcade sourcilière, je vais appliquer ce blanc avec un tout petit pinceau plat. Je fais mon ras de cils inférieur avec le noir et puis un petit pinceau plat court et j'applique en ras de cils inférieur. Avec mon crayon noir Perfect Black que je mets en muqueuse inférieure, je vais mettre légèrement en ras de cils supérieur pour bien délimiter le ras de cils supérieur sans forcément faire un trait d'eyeliner, hein. C'est vraiment juste pour bien délimiter. J'applique mon mascara qui est toujours le Zareal de Benefit. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc je vais rapprocher un petit peu pour vous montrer ce que ça donne au final. Donc voilà. Donc j'espère vous retrouver très bientôt. On se retrouve sinon sur Instagram et sur Twitter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!